Il n'y a pas de mots pour expliquer l'inexplicable. Aujourd'hui, là où nous sommes, Kivu Morning Post, nous sommes à Bouchouchou, nous sommes dans les territoires des Calais, dans la province ici de Kivu. Ici, derrière moi, il y avait des maisons. Plusieurs familles vivaient ici. Et dans un laps de temps, avec une érosion qui s'est produite la semaine passée, tout a été endommagé et emporté par les eaux. Cet espace était occupé par des habitants de Bouchouchou avant que le pluie diluvienne en décide autrement. Ici, des centaines de maisons et ses locataires ont été emportés par des inondations qui ont surgi jeudi 4 mai. Cette journée devrait rester en songe pour les populations de cette partie de la province d'ici de Kivu, à l'est de la RDC. Kivu Morning Post, nous sommes allés à la rencontre de ces familles en détresse. Ici, nous sommes dans la localité Bouchouchou. Selon les statistiques présentées par les ministres congolais de la communication lundi au cours d'un briefing avec la presse, l'on dénombre 401 personnes sorties des décombres. Jusque-là, les chiffres s'accroissent et atteint approximativement 500 individus. Leur réalité sur cet incident malheureux sont à suivre dans cette vidéo fruit de la descente que réalise Kivu Morning Post dans cette partie du territoire des Calais. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'intégralité de cette vidéo. Bouchouchou et Nyamukubi sont respectivement des entités du territoire des Calais qui ont été affectées par les érosions du 4 mai. Tout a commencé par les débordements de cette petite rivière qui tire sa source dans les hauts plateaux. Débordement des eaux de son lit jusqu'à atteindre la cité devenue déserte aujourd'hui. Après le passage des eaux, l'on peut croire à un passage de lave du volcan. Les populations ici sont inconsolables après ces drames. La famille Chiringa, retrouvée à Bouchouchou, a perdu 91 personnes, membres de la famille restreinte et élargie. Le responsable de la famille y compris, Gladys Abamungu, est compté parmi les rares survivants. Après l'érosion, sa famille a revendiqué les corps de son défunt père pour inhumation. Il fustige la manière dont le reste de ses membres ont été enterrés sans dignité aucune. Ici, il témoigne. Nous allons mourir de quoi à 10, pour malheureusement, une catastrophe, le premier pour avoir catastrophe, au moins quand on a de la chaka. Mais la catastrophe, mais plus tard, bon, mais quoi, tu n'as pas gagné, va se retrouver, va revenir à me couffa, la vie est au couffa. On va se revenir à le couffa, bon. Première série à me couffa, na va toi qui va t'anno, na mimba, na va naki. Mon gars, me couffa, naï. Mecha batu batano bila mimi. No, juste ilikuwa jeudi. Ile jeudi ilikuwa maandura ma 18 bure ni chaka the brainer transit. Babangu anakuwa poligami. Awashi kwa mtu wa 65 hivi. Alikuwa kule kwa bibi yake mdogo. Sasa hii femu ilikuwa nyesha kumbe mwana kisi mtoni mmeala ifudira toke kula kitu ambia tutoke mnyumba na chetu kimbie. Kufika kia munjia, bo,
motoni qui m'a récupéré. Quand on bébé, titi, qui n'a pas fait quelque part, monsieur Chapale, moi, comme c'est Diaga, pour que ça m'a chapale. Après, on voulait qu'on y ait un master after Sabbath de venir à ta survie, à Kura Rouge, monsieur va volontaire. Mais moi, je m'en ai parlé au matope. Après, comme tu as ma tope, tu vas me toucher à ton métier au centre de santé à part pour village de ta chouchou. Bon, tu vas ajouter à ma nini, ma dose pour parler à Kidogo. Il faudrait ambulance stocker sa portée générale et à Yussi, Zi Bakamate, à Pepe Palais, Balance Sabato la Palais. Mais fort malheureusement, parler que l'hôpital est dans sa cabane, pour le Jukutana, bon, à quoi ma dose est nassifir. Kuko watu wenye walozaka ni saki sifa papa yeye peke mwele hali yake alikuwa kama alikuwa kwanza anavunjika mkifua sana yote ndaire mgulu mwele katika kama mgulu ya drugs ndio mjoni kwa mchunga tamle hospitali hiyo fea kukohoa tangalia na nini atatema njoni ni udongo wa michanga Januari akasema tu utakutana tu masikio tu ni michanga zenye ziko ndani mimi na utakutana ba medicine biko pale watasonyea fupa kwa vidonda me avalite kont zile manani swate ma zile makuchafu zenye mtu alimezea mwele mwele matope mwele mwele mtu ndile matope yote ingia msi zile michanga masikio huko ba ma unjua huko ba hemorrhage interne biko pale me donc pourquoi ba jibaze na utakutana mtu ashapiga pale deux jours haya tunzo kata siku moja busa chance atoka utale ni kunuka tu sana ndio sivyo yangu atinele kupoteza maisha kuna muziki siri sana WD hapa juzi ah assistance haya tu sema bongo go bien le kufaka bon au niveau territorial c'est magaje bote benye bana kufaka même ipo bazikiwe basi moya maki fuko kwetu na pesa koma force commune chez tu kasema kama famille tu na vini mushamuka haiko parmi watu benye bana pasho nje mazile ma force commune tukareklama kashele ile mwili wetu tukaleta tukazika hapa pembeni hivi kwenye nalala bon tukafika bali tudanganya au tutakia basaidia tutakianga nini tutakia system maziko yake hivi na hivi mapre maziko tulitungapa tukisema takuya hakuna malikuya chose tonance on avait promis que batalita nini kama batalita ma Sergey za kuwanteri ndani tulishangala tunafika kule ku hospitali banaanza njoba leta njobi masashi mwa hivi ya kusema wazee na kuanza prometre huku nyumba hiyo mstafuta Sergey me uvenema italeta ma Sergey za kuzika pale penye walipata zile misiba me ala fetu kukutana njo watu wetu biko njo nazikiwa njo masashi. Hapa tunashangala hapa juzi mama basha zikiwa plus de 3 cycle kimi kwa cha nombre mema plus de 3 cycle kwenye basha zikiwa mazema ile mafos commune bila tazile manini bila maserke jana ndio tunasikia sema kwa maserke zenyewe zimekuwa sasa za kutiamo vingine vyenye vimepatikana mena sio pozuri bigusio jana ba moya bana pasha ingia muzlema manini muzlema sashe vingine baba pata sama nini ma serke il y a plus de morts que ce qui est dit dans les médias par les autorités à Kinshasa, affirme cet autre habitant de Bouchouchou dans les Calais. Pour lui, plusieurs fausses informations circulent sur la toile autour de cette situation. Les autorités devront multiplier les descentes sur terrain et identifier les familles victimes pour comprendre que la question doit être prise au sérieux, ajoute Jonathan Chiringa. Kungambo ya statistique, vraiment jusqu'à présent hakuna bilan yenye iko exact. Parce que tuko tunashangala comme quoi tuko tunakuwa tunasikia kuma radio au niveau ya Kishasa bana proclamer ou bien bana sema kama il y a 400 personnes yenye imepotea dans tout Bushushu en soi on dirait révélé parce que au moins watu waliweza kupotea au niveau de Nyamukubi, Kabushungu, Mudijiwe na aussi Bushushu centre. Alors, ile yote iliweza onekana kama batu baliisha, mais aussi tungeomba gouvernement yetu, selo gizi tungewaza, gouvernement itume batu benye biko approprié kwa ile activité, bakuye ba denombre, obo peke, batumike pamwa na zile ma famille affectée, zenye ziko éprouvé, baweze kuangalia kila famille iliweza kupoteza mangapi, kusudi baweze kusema juu ya ile nani, juu ya ile statistique ya batu benye baliweza kupotea. Parce que mimi naona kama ile 91 personnes kwanza yetu yenye likufa tunaona kwanza tuliweza chunguza mule ndani tulikutana kama hawakuweza kuingia memo force commune hapo bakingali matope jusqu'à présent na jana magharibi je crois jana mardi baliweza tuliweza kutana le secouriste bako banani biko banaenda bana bakingali banatosha watu usibe bakingali bana kufa
mais aussi chose étonnante bale ba secouriste aussi baliweza kuachiwa makuta na gouvernement mais jusqu'à présent il y a pas au moins ka aide kamoya kenye bale ba secouriste baliweza kupata parce que depuis jana depuis jeudi batu banakufa bale batu biko banatosha batu matope bazima na bakukufa bana bapeleka kuma hôpital bengine banaenda kubatia pale ku institut bushushu kwenye bako banatia ma be banakufa bale ba secouriste jusqu'à présent haba yapata hata aide moya yenye nawe sema senjo aide yi alors que habiko banani habiko ba Croix Rouge au fait kuko ba Croix Rouge na ba volontaire ba mungine me bale bote banaomba bapate kanani kameme ka aide ka kidogo ke kanawezi weza kubasaidia kusudi bapime kujisikia kama balitumika kazi. Au niveau ya nani, au niveau yetu, tunaona aussi le député, hein? Ba député betu habafike sur le terrain. Tuko tuna regrette namna gani tuliweza kuvote ba député kukalehe, mais aussi kama kuko mmoja mwenye alishafika naye ni kupita njoo amepita me haongee na communauté yake. Donc jusqu'à présent on se demande est-ce que tutafanya tena nini vote kwetu, ma élection kwetu wala hapana parce que ils n'ont pas fini à enterrer les leurs. Des fosses communes continuent à être creusées. Des jeunes volontaires, sans assistance, s'activent à préparer des espaces où seront déposés leurs membres de famille, assistés par les agents de la Croix-Rouge. Le mort ne repose pas en paix. Dans la fosse commune à côté, des habitants sur place indiquent qu'au moins 250 personnes ont été déposées sous les sols les samedis, sans cercueil ni événement funèbre. Il sied de rappeler que c'est suite à des pluies diluviennes du 4 mai que des érosions se sont enregistrées, causant ainsi d'énormes pertes en vies humaines et matérielles. Une situation qui a coupé la circulation des personnes et de leurs biens sur la route nationale numéro 2.